Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les demi-finales du tournoi de Cincinnati. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces demi-finales, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc avant d'entamer mes pronostics sur cette demi-finale, on va faire un petit retour sur mes pronostics de cette semaine. Donc j'ai fait un 7 sur 9 sur mes pronos de mercredi, un 1 sur 3 sur mon short de jeudi dernier et un 2 sur 3 sur celui d'hier. Donc avec le combiné Medvedev qui était passé avec la victoire de Tsitsipas et également la victoire de Caroline Garcia. Donc ça fait un 2 sur 3 sur mon short d'hier. On a de très belles affiches pour cette demi-finale. Donc je vais essayer de faire les meilleures performances possibles aujourd'hui sur ces matchs de demi-finale de ce samedi. Donc j'ai décidé de garder deux pronostics pour chaque match, un prono vainqueur et un prono sur le scénario. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter la cote en combinant le vainqueur avec le scénario sur un match précis. C'est comme vous le sentez. En tout cas, je n'ai pas proposé le combiné des deux, le mix des deux entre le vainqueur et le scénario dans mes pronostics, mais vous pouvez le faire. C'est disponible chez BetClick et n'importe quel autre bookmaker. Donc, vous pouvez le faire sans souci. Bref, sans plus attendre, voici mes 8 pronostics pour ces demi-finales. On commence par l'ATP. Donc, on a tout d'abord un match entre Medvedev et Tsitsipas. On retrouve le meilleur Medvedev dans ce tournoi qui vient de sortir Taylor Fritz en jouant un très bon tennis, notamment durant le deuxième set. En face, on a le grec qui s'est fait peur au tour précédent face à John Isner, mais il a réussi à le breaker au troisième set pour remporter le match. Donc un match très très tendu avec très peu de balles de break de chaque côté. 9 confrontations entre les deux depuis 2018, 7-2 pour le russe, mais 5 victoires sur ces 7 ont eu lieu en 2018-2019. Les confrontations récentes étaient assez équilibrées, beaucoup plus équilibrées que par le passé. Comme par exemple la plus récente qui a eu lieu en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier, qui a été remportée par Medvedev 3-1. Donc je m'attends à un très gros match, se jouant à des détails, mais je pense que le Russe a le jeu nécessaire pour faire dérailler le Grec. A noter quand même que l'année dernière, ils avaient tous les deux perdu en demi-finale, un contre Zverev et l'autre contre Rublev. Cette fois-ci, ils se retrouvent en demi-finale. Donc comme je l'ai dit, je pense que Medvedev remportera ce match. Medvedev gagnant, c'est coté 1,35, mais j'imagine un match quand même très serré. Donc les deux joueurs gagnent un set ou alors le plus de 2,5 sets, c'est coté à 2,20. Ensuite, on a Nori contre Coric, donc une affiche vraiment très surprenante. On a d'un côté un Anglais qui semblait fatigué physiquement après l'accumulation des matchs depuis le mois d'août. Avec 4 matchs au Mexique, 3 matchs au Canada, il entame son cinquième match à Cincinnati. Il est beaucoup moins dominateur dans ses matchs car il laisse passer quelques sets, on l'a vu dans le début de ce tournoi, ou alors lors du dernier match d'hier soir. Mais il finit quand même toujours par remporter ses matchs. Il pratique un très bon tennis et il a fait le plein de confiance avant d'entamer l'US Open. Il sort d'une très belle victoire face à Carlos Alcaraz hier soir dans un match très tendu et très spectaculaire. En face, on a le Croate Coric qui revient de blessure et semble avoir retrouvé le meilleur de son niveau. Son objectif était clair, revenir le plus rapidement dans le top 100 et c'est chose faite. Après un premier tour perdu à Montréal face à son compatriote Cilic, il atteint cette demi-finale en éliminant entre autres Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime. Deux confrontations entre Norrie et Coric, un partout. Là encore, je m'attends à un match ultra serré. Difficile pour moi de choisir un gagnant, mais je pense que c'est compliqué de partir contre Norrie en ce moment. Surtout qu'il pourrait retrouver Medvedev en finale et le Russe a battu le Britannique en finale de Los Cabos il y a quelques semaines. Donc ce serait l'occasion pour Norrie de prendre sa revanche. Donc, je choisis la victoire de Nori côté à 1,60 et le plus de 2,57 où les deux joueurs gagnent un set, c'est côté à 2,05. Ensuite, du côté de la WTA, donc on a Keys contre Kvitova, l'américaine qui a l'air d'apprécier Cincinnati. Elle joue un tennis très puissant et redoutable et n'a pas perdu un set en 4 matchs dans ce tournoi. Des victoires, entre autres, face à Swiatek et Rybakina lui permettent d'atteindre le dernier carré avec un plein de confiance. La Tchèque, elle, a eu un peu plus de mal car elle a perdu un set face à Teichmann et un set face à Jabeur, mais elle a été impériale face à Tomljanovic au tour précédent.
deux joueuses qui ont l'habitude de s'affronter car il y a déjà eu 8 confrontations depuis 2013. Il y a 4 partout. La plus récente a été remportée 2-0 par Kvitova au premier tour de Cincinnati l'année dernière, justement. J'imagine mal un scénario identique cette fois-ci, tant l'américaine est impressionnante cette semaine. Je la vois même prendre sa revanche et remporter ce match, mais dans la difficulté. Donc la victoire de Keys, c'est coté à 1,83 et le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,30. Et pour finir, on a Caroline Garcia contre Sabalenka. Que dire de la française? Elle pratique un tennis formidable depuis quelques mois. Son objectif était simple, être parmi les têtes de série pour l'US Open pour ne pas devoir passer par les qualifications. Objectif réussi grâce à la défaite de Tomljanovic hier soir. Maintenant, elle se retrouve en demi-finale de ce tournoi qu'elle a maîtrisé mentalement et physiquement. Donc à elle de tout donner pour aller au bout. Avec les qualifs, elle a remporté 6 matchs dans ce tournoi de Cincinnati en éliminant notamment des joueuses redoutables telles que Sakkari ou Pegula hier soir. Sabalenka avait flanché à Toronto face à Coco Gauff en réalisant 18 doubles fautes dans ce match. Son service puissant mais parfois imprécis lui ont coûté pas mal de jeux, voire de 7 durant cette tournée américaine. Elle atteint tout de même le dernier carré en éliminant Rogers et Zheng et en profitant de l'abandon de Kalinskaya au deuxième tour. Elle a eu un parcours un peu plus facile et surtout plus court que la française. 3 confrontations entre les deux, 2-1 pour Sabalenka. Sabalenka avait notamment gagné 2-1 à Cincinnati en 2018. Je pense que c'est l'occasion pour la française de prendre sa revanche 4 ans après, car elle a toutes les cartes en main pour gagner ce match. Sabalenka n'est pas hyper sereine dernièrement, et le tennis que joue Caroline Garcia en ce moment peut mettre son adversaire en difficulté. Donc je choisis d'aller sur la victoire de la française Caroline Garcia à 1,98 et le plus de 18,5 jeux à 1,30. Donc voilà, vous voyez mes avis, j'imagine 4 matchs vraiment très très serrés. On arrive dans les demi-finales, donc on a vraiment des très bons joueurs ou joueuses de chaque côté. Donc j'imagine pas vraiment 2 matchs à sens unique parmi ces 4 confrontations. Et donc j'imagine 4 matchs assez serrés. Mais les vainqueurs que j'ai choisis, c'est Medvedev, Nori, Keys et Garcia. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, j'ai choisi de garder ce combiné-là, un gros combiné. Donc le voici, où j'ai choisi de garder les 4 gagnants. On va tenter un truc pour une fois sur cette demi-finale. Donc un combiné beaucoup plus haut que ce que je propose d'habitude avec les 4 gagnants. Donc peu importe les scénarios, si les scénarios que j'imagine sont bons ou pas. En tout cas, c'est les 4 gagnants que je vois dans ces demi-finales. Les 4 joueurs ou joueuses que je vois atteindre la finale de demain. Donc les voici. Donc le combiné de Medvedev, Nori, Keys et Garcia remportent leur match. Ça fait un combiné coté à 7,83. Si vous misez vos 100 euros de backlink dessus et que ces 4 joueurs joueuses remportent leur match, vous remporterez 783 euros. Et si ça passe pas, Backlink vous remboursera 100 euros de free bet. Vous pourrez continuer à jouer avec. Donc voilà, c'était Léo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo ou dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics et vos avis sur ces demi-finales de Cincinnati. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. On a Test qui met des pronostics sur tous les sports quotidiennement, c'est gratuit, donc rejoignez-le. Et nous, on se retrouvera demain pour une autre vidéo avec mes pronostics sur la finale, en espérant que ça soit ces 4 joueurs-là, que vous voyez là juste ici, qui soient en finale et que du coup, ça valide mon combiné d'aujourd'hui. En tout cas, on verra les affiches, on verra les résultats des matchs ce soir et on verra les affiches demain. Et je vous ferai du coup une vidéo comme la semaine dernière au Canada, une vidéo demain matin avec mes pronostics sur les 2 finales. Donc voilà, c'était Léo, on se retrouve demain, allez, ciao tout le monde, bon samedi!